Salut à tous, aujourd'hui je suis à Guerville pour la Guervilloise. Bon, c'est un petit. Comment? C'est une petite rando de 40 km. Je sais pas s'il va y avoir du monde, on verra bien. C'est ici qu'on fait le duathlon de Guerville. Bon, Isa n'est pas là, elle est partie organiser le Domartoise, donc à Domart-en-Ponthieu. Donc je suis tout seul aujourd'hui. Voilà. Faire ça tranquillement et puis voilà, je vais me préparer et puis ben on y go. Apparemment ça sera un départ groupé à 9 h, bien voir, ça changerait un petit peu des départs décalés. On va voir ça. Bon, on est prêt. Pas terrible en fait, hein. Vraiment pas beau aujourd'hui. Il y a eu des jours nettement plus ensoleillés. Bon. C'est gris, gris, gris. Il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Mais bon, on verra bien. Ça devrait être assez sympa quand même. Thank you.
Là, nous sommes dans la forêt de haut. Beau petit terrain de jeu, que ce soit en vélo ou en course à pied. Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau, Caro? Alors du coup, il y a des nouveautés, hein, ça a changé un peu. C'est le top. Merci. Thank you.
Ah, sort un peu de la forêt. Bonjour. On peut arriver trop vite. Hein. On a fait ce passage au travers de la forêt de Heux. Et lors aussi d'une balade à pied avec, avec Léonie. Parce que comme ça en VTT, c'est le pire. Hop là, on était passé là aussi.
Bon, je peux dire que le tracé il est vraiment très amusant. Beaucoup de forêts comme ça, c'est vraiment, vraiment super. C'est pas monotone du tout. Le charge est nickel, faut pas se perdre. Et au moins, on est à l'abri du vent. Je suis tout seul depuis tout à l'heure, j'ai doublé du monde et puis j'ai plus personne. Jaune, c'est 40, c'est ça? Je fais pas la rando. Ah oh, mince. Bah suivez-nous alors.
On prend une petite partie du trail de la forêt de Haut. C'est un endroit que je reconnais. Bon bah après le ravito je suis un peu moins seul.
point de vue ici. Ah, c'est chouette, dis donc. Ah, c'est joli. Pas levé. Rester sur le bec de sel. Non, ça lève trop. Ça lève trop. Bon, bah, je vais pas réussir à le monter. Hein. Poids va monter. C'est un coin de la forêt de eux que je connaissais pas, dis donc. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est vrai que c'est vraiment très grand en fait. Je préfère ici que la forêt de Crécy. Comme bien ménagé que la forêt de Crécy elle y est pas.
Ils sont forts, mais ça tombe fort aussi. There. Nous voici, nous voilà revenus. Bon, 41,3 km, 637 mètres de dénivelé. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même.
Bon, encore une de fête. Hein, bon, voilà, on est arrivé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 40, 41 km, 637 mètres d'ascension, c'est pas mal. Le vélo n'est pas trop sale. Mais franchement, la forêt de c'est top. Il a un bon petit terrain de jeu. Dommage que c'est si loin de Canaples. Enfin bref, voilà. Bon ben, on va ranger tout ça. Et puis bah demain c'est Abbeville à la Grande Vadrouille. Ce sera un petit peu plus long. Ah ouais, non, beaucoup plus long. À 60 km. Ça sera différent quoi. Bon, allez, on y go. À la prochaine.